Une chanson peut parfois être de la poésie. Jeanne, chanson que moi je trouve être un poème qui se trouve sur votre nouvel album, L'an 40, L'art d'aimer. Eh bien d'accord. Je veux être un champ de blé battu par l'orage, ébouriffé par le vent, chauffé par les pierres, cuisant au soleil brûlant. Je te veux comme un vol d'hirondelle, libre et sans autre chemin que celui que trace tes ailes, indifférent au courant. Je veux être un courant d'air soufflé sur ta peau, voilé d'un parfum de pluie, d'averse éphémère avant la tombée de nos nuits. Je te veux comme un glacier millénaire, tranquille transparent à l'opacité passagère. Quand tu te troubles un moment, je veux être une rivière roulée de cailloux qui dévalerait la terre à un rythme fou sans jamais regarder derrière. Je te veux insolite et beau, et dans ton écorce fragile, je graverai ces quelques mots. Je veux être un champ de blé battu par l'orage. Je veux être un champ de blé. Bravo. L'art d'aimer, Jeanne Chéral. Je vois le visage de Charles, c'est s'illuminer. On est dans la poésie ? Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Une belle chanson, c'est toujours un très beau poème, hein, bien sûr, à mon sens. Allez, ouvrons. À 5 ans, je suis devenu terre à terre. On y trouve énormément de choses. Première question, comment écrit-on un livre ? Alors, cette fois-ci, non plus une chanson, mais un livre, quand justement on n'a pas le support de la mélodie. C'est vrai que je m'y suis prise vraiment autrement pour écrire ces petits textes, ce glossaire. Et j'ai eu l'impression d'être peut-être plus directe, plus dans des récits, dans des histoires, des souvenirs, beaucoup dans mon enfance aussi. J'ai beaucoup puisé dans mon enfance. Mais c'est vrai que pour écrire ce livre, je m'y suis vraiment mise à des moments où ça me venait. Enfin, à des moments où je me disais, tiens, ce mot-là... Enfin, je ne me suis pas forcée, si vous voulez, à aborder un mot qui sonnait bien. Enfin, à chaque fois, je me suis laissée emporter par ce que le mot pourrait me dire. Ce qui frappe, c'est qu'il y a beaucoup de mots musicaux, ou en tout cas, il y a une musicalité de certains mots. Tiens, on va prendre un exemple, le mot « cheval ». Vous écrivez « Pour peu qu'on le martèle 4 fois, on le verra galoper ». On essaye ? Le cheval, le cheval, le cheval, le cheval, le cheval, le cheval, le cheval. Voilà. Alors, on le voit, là. Enfin, je trouve, c'est d'un mot. Je découvre, avec beaucoup d'intérêt, que vous avez des voyelles préférées. Alors, le « o » est la voyelle préférée de Jeanne Chéral. Mais pourquoi le O plutôt que le I ou le A ? Parce que le O est plein, même dans sa topo, je sais pas comment on dit, enfin son graphisme.
c'est quand même la forme absolue, la forme parfaite, je trouve. Et le fait de dire « haut », pour moi, ça peut être que positif de dire « haut », de l'étonnement, de la surprise, de la joie, du plaisir. J'adore le « haut ».